السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد اللطيف أكاديمي. دونك في هذا الفيديو غادي نشرحوا ليكزامان ديال 2017، ليكزامان فان فورماسيون بارتي كونتابيليتي ابروفوندي. دونك en 31/12/2017 certains éléments de capitaux propres de la SA Ahlam se présentent ainsi. Donc capital social 6000, actions bien sûr on a totalement libéré, donc 1 800 000 dirhams. Report à nouveau solde débiteur. Là, report à nouveau solde débiteur, ça veut dire qu'on a une perte. Ça veut dire qu'on a 6 mois. Résultat net de l'exercice, bénéfice de 120 000. Donc, le statut de la société prévoit l'affectation du résultat comme suit. Donc, 5% c'est la réserve légale. 6% l'intérêt statutaire. L'intérêt statutaire est calculé sur le capital libéré non amorti. Donc, dotation à la réserve facultative. Le reste est versé aux actions à titre de superdividende. On attend on a fait les données. Le superdividende sera arrondi au dirham inférieur. Le reliquat est reporté à nouveau. Donc, la réserve facultative est à 29 290. Donc, travail demandé, présenter les calculs préparatoires à l'établissement du tableau des affectations du résultat ou passer les écritures comptables. Je fais la correction. C'est le tableau de répartition du résultat. Donc, premièrement, on a le bénéfice net. Donc, le bénéfice net, 220 000. C'est le bénéfice net. 220 000. Après, dans le report à nouveau, solde débiteur. Un report à nouveau, solde débiteur, c'est la perte de l'année précédente. Ça nous coûte le report à nouveau, solde débiteur, la perte, c'est ce qui est un cas de bénéfice net à répartir. Donc, on a 220 000, on a 1 800. Parce qu'il y a 218 200. Donc, c'est le bénéfice net à répartir. Donc, on a le bénéfice net, on a la perte, le report à nouveau sur le débiteur de l'année précédente, parce qu'il y a le bénéfice net à répartir. Mais peut-être qu'on a une réserve légale. Donc, la réserve légale, on a 218 200 fois 5% est égal à 10 210. On a 10 210. Intérêt statutaire. L'intérêt statutaire est calculé sur le capital libéré non amorti. 1 800 000 fois 6%, on a 108 000. Après, on a les données, la réserve facultative, on a 29 290 dirhams. Donc, la réserve facultative est déjà calculée. Donc, quand je mets la somme des trois éléments, il y a la réserve légale ou l'intérêt statutaire. Ou la réserve facultative. Donc, on a 218 200, on a les trois éléments. Réserve légale ou l'intérêt statutaire, on a la réserve facultative. Donc, 218 200 moins 10 910 moins 108 000 moins 29 290, ça fait 70 000. Donc, 70 000. Donc, à 70 000, voici le solde. C'est-à-dire le résultat disponible pour le super dividende. C'est le solde. C'est le solde. 70 000. Je vais vous donner le super dividende de la formation. Le reste, est versé aux actions à titre de super dividende. Où le super dividende sera éventuellement arrondi au dirham inférieur. Donc, il y a le reste de l'écran. Il y a 70 000. Donc, il y a 70 000. Le reste. Donc, il y a 70 000. Il y a le nombre d'actions 6 000. 6 000 les indi. Donc, 6 000 actions. Il y a 11,67. On a fait l'arrondissement. Il y a les données,
le super dividende sera arrondi au dirham inférieur. Mais maintenant, on a 11 blé virgule. 11, 100 virgule. Donc, on a 11. 11,67. On a 11. C'est le dividende unitaire. Les actionnaires se forment de super dividendes. Donc, on a 11,67. On a l'arrondissement au dirham inférieur. On a 11. Donc, le nombre d'actions, on a 6 000 fois 11. تعطيني 66000 دوك 66000 اللي غادي نحط هنا سوبر ديفيدون وفينالمون داكشي اللي غادي يبقى لي غادي يبقى غادي ندوزو لغوبور انوفو خدينا 70000 موان 66000 هي 4000 دوك هادشي بقينا في غوبور انوفو 4000 ابخي غادي نحسبو هاد la retenue à la source, le TPA, au taux de 15%. Qu'est-ce que c'est le TPA? Canardo, l'intérêt statutaire ou le super dividende? Canardo, l'intérêt statutaire ou le super dividende? Donc l'intérêt statutaire, il y a 108 000 ou super dividende 66 000. On le retrouve ici dans un petit tableau. Bon, l'examen de tableau n'est pas obligatoire. Et on a un dilo pour que ça nous aide. Donc, on a un élément intérêt statutaire, on a super dividende. On a 108 000 pour le cas TPA. Donc, on a 108 000 fois 15%. Donc, on a 108 000 fois 15%. On a 16 200. On a 9 900. On a super dividende 66 000 fois 15%. On a 9 900. Ou bien sur le net, كناخدو هاد 108000 موان هاد 16200 كنلقى 91800 و 66000 موان 9900 باش نلقى 56100. بون هاد لا تي بي ا هاد لا تي بي ا كتاخد الدولة ليطا سي ليطا و لو غيست لو نت كياخدو هاد 147900 سي لي les associés. C'est un dividende de loi brut. Mais on va aussi bien avoir. C'est un TPA que chez l'État de Doula ou qu'il y en a le reste, le net. Bon, pour les écritures comptables, le 1-1 2018, donc la répartition des résultats, mais en tout cas, le 1-3. Ou le 1-1 2018, quand il y a un transfert de résultats, c'est-à-dire, je débite, je solde le résultat net de l'exercice quand c'est un crédit qu'un débit et je crédite résultat en instant d'affectation avec un transfert de résultat. Mais le 1-3, la répartition de résultats, je vais solder un résultat en instant d'affectation quand le crédit est un débit 220 000 débit et je crédite la réserve légale participe réserve légale et je crédite réserve facultative et je crédite report à nouveau sur le créditeur les pratiques à 4000 le report à nouveau solde débiteur donc je vais le solder ou bien sûr état impôt et taxes assimilé 26 100 ou associé dividende à payer. Ou bien sûr, les je mets un total de la chicane. Alors, ce n'est le cas. 220 000 dirhams. Donc, je rappelle, on a soldé le compte résultat en instant d'affectation. Et on a crédité réserve légale, crédité réserve facultative, le report à nouveau sur le créditeur de 4 000 dirhams.
Donc, à 4 000 dirhams, et la répartition des larmes, l'année 2019, l'année suivante, bien sûr. On a le report à nouveau sur le début, on a 100 dinars. Quel début ou le crédit, je ne sais pas. Et un impôt finalement associé dividende à payer. On a bien sûr dans le net, c'est les actionnaires. Juste un tableau. Maintenant, le point des comptes schématiques. Donc, au départ, quand tu as dit 220 000 dirhams sont le créditeur, le résultat en un sens d'affectation. Et le début de l'année, on a soldé le compte 1191. On a débité le compte, résultat de l'exercice, et crédité 220 000, résultat en un sens d'affectation. Donc, il est soldé. Même dans le 1-3, on a débité 1181, on a soldé 1181 de 220 000, et je crédite le compte concerné. Le compte de Kamli. Il y a l'examen, bon, quel qui débitait le résultat net, mais les éléments réserve légale, réserve facultative, il y a une méthode, c'est juste. Donc, il y a quelqu'un qui a compris ça, c'est la vidéo, vous pouvez vous abonner dans les commentaires. Au vidéo, Kadim, Inch'Allah.